Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Alors, je vais vous faire. On va faire un deux choix. Alors, soit le petit sapin, donc soit vous choisissez le petit sapin, soit le petit ange. Et je vais vous transmettre donc des messages associés soit au petit sapin, soit au petit ange. Donc, voilà, vous. Là où votre intuition vous attire, vous choisissez. Ça peut être les deux aussi. Hein, vous pouvez être attiré par les deux. Le petit sapin et le petit ange. Et on va voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre. Bien sûr, je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter. On va le découvrir ensemble. Je tenais à vous remercier pour tous vos jolis commentaires, vos likes, votre présence. Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et on va commencer donc avec le petit sapin pour les personnes qui ont choisi le petit sapin. Et on va commencer alors. Alors, je vais vous transmettre déjà, on va voir le petit message que je peux vous apporter avec les animaux guides. Les animaux guides. Donc, quel est l'animal guide qui est auprès de vous, hein? Un petit conseil, quelque chose qui arrive vers vous, une piste de réflexion, on va voir. Donc pour les personnes qui ont choisi le petit sapin, l'animal qui sera. Ah, je ne sais plus si je vous ai demandé si vous portiez bien. Je ne sais plus. Quand je commence à me concentrer, des fois je peux répéter. Hein. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis qui ont choisi. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Non, non, non. Allez, l'animal guide avec son petit message, avec son précieux message. On va voir. Alors, c'est celui-ci. Alors, donc c'est la baleine. Alors, on vous parle peut-être d'archivage. Vous êtes peut-être actuellement dans une période où vous archivez. Alors, ça peut être des choses dans votre pensée, des choses liées à votre passé. Ça peut être, voilà, ou alors de l'archivage même d'administratif. Tout ce qui est à trait à l'archivage. Donc, soit de situation, soit vous archivez des choses à l'intérieur de vous aussi, de votre esprit, de vos pensées, mais ça peut être aussi donc de l'archivage administratif. Voilà. Ça peut être la mémoire, hein, de l'archivage de mémoire aussi de votre ordinateur. Aussi, vous allez être peut-être appelé en fait à explorer en fait les profondeurs de votre être. Et vous allez recevoir une aide à tourner la page, donc liée à votre passé, à archiver aussi des choses. Voilà, donc là, vous archivez pour moi beaucoup de choses. Ou alors, ça ne saurait tarder. Je vais vous transmettre en plus un message avec ce magnifique oracle. On va voir un petit peu le message que je peux vous transmettre avec celui-ci. Alors, pour nous, les personnes qui ont choisi le petit sapin. C'est cette carte, ce message. Alors peut-être là que vous allez faire face très prochainement ou actuellement en fait peut-être à des dépenses imprévues. Alors peut-être de faire attention aux dépenses, surtout si elles, si elles, surtout si, celles qui sont vraiment imprévues. Avant peut-être en fait ces dépenses vont peut-être vous conduire peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Donc là, c'est pas le bon moment de prêter de l'argent à qui que ce soit. Il y a peut-être des risques de perte aussi pour vous. Et ce n'est pas aussi le bon moment en fait pour investir ou conclure des ententes. Il va peut-être falloir mieux que vous attendiez. Pour moi, vous allez avoir l'opportunité d'avoir une période vraiment beaucoup plus clémente pour vous. On parle de peut-être de pertes financières, de fraudes ou alors de vols qui sont à prévoir. Mettez bien tous vos avoirs en fait de côté.
Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Bien. Et un petit message avec le tarot des anges gardiens. On va voir. Alors, c'est ce message. Alors, c'est le 4 de l'émotion. Il y a peut-être des personnes, en fait, là, on vous dit qu'il y a des personnes merveilleuses qui ne demandent en fait qu'à vous venir en aide. Donc, on peut vous apporter de l'aide dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous êtes. On parle de nouvelles opportunités, en fait, qui vont s'ouvrir à vous. Mais peut-être que vous ne les voyez pas. Ou alors, vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé ou regardez au fond du... Rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà. Voilà le petit message que je pouvais vous transmettre pour les personnes qui ont choisi le sapin. Bien. On va continuer. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, je vais le mettre ici. Bah non, ça ne tient pas. Hop. Voilà. Alors, on va voir le message. Donc, pareil, le message en fait de l'animal guide qui est auprès de vous. Alors, c'est celui-ci. Alors, on vous parle de joie, de légèreté, d'une ouverture du cœur. Et vous allez recevoir aussi une aide à profiter de l'instant présent. Donc là, il y a de la joie, de la légèreté. Il y a une ouverture de votre cœur aussi. Wow. Quand ça ne veut pas tenir, ça ne veut pas tenir. Hein. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit message avec ce magnifique oracle pour les personnes qui ont choisi le petit ange. On va voir. Alors, c'est ce message qui est là pour vous aujourd'hui. Alors, on vous dit de surveiller les synchronicités. Alors, derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, donc peut-être que derrière, en fait, vous avez peut-être plein de coïncidences, c'est peut-être ce que vous appelez le hasard. On vous dit que se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, on vous dit. Tout est à sa place, ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Donc là, ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc surveillez bien les synchronicités à partir d'aujourd'hui. Voilà. Et on va prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Et on va voir. Celui-ci. Alors, on le découvre ensemble. Donc, le cadre de la prospérité. Alors, il est peut-être temps, en fait, de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Alors, jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? On vous dit travailler dur. Et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre.
C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort, prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances vidéo, message tout 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 tout. À bientôt!